Et salut à tous, j'espère que ça va bien. J'espère que... Ah, bah oui. Banzi, bienvenue à toi, Angel. Salutations, j'espère que vous avez passé de très bonnes journées. Ou mieux que ça, que votre week-end s'amorce au mieux possible. Aujourd'hui, on part pour se faire démonter la tête. Soyons clairs. C'est pas le jeu qui va me démonter. Ouais, c'est pas C'est... faux. Voilà, ah, merci, c'est gentil, tu commences bien. Merci, merci. J'ai un problème. Vous allez me dire, oui, j'ai tout le temps un problème. Ce qui n'est pas faux en soi. Ce qui n'est pas faux. Ok. Alors, pourquoi tu veux pas? Bon, c'est pas grave, on va continuer ça, tranquille, posément. Et je pense que je vais essayer de corriger ça au mieux possible. Hop, attention. Ah ben voilà, le son est revenu. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne petite semaine. Et puis on est parti pour Have a Nice Day. Petit problème dans l'entreprise, encore une fois. Et puis on va forcément se faire dérouiller la tête. Je rappelle que la dernière fois, on n'est pas allé au-delà du deuxième niveau. C'est bizarre que je sois décadré comme ça. Ouais. Ah putain. Hop. Ah pour terminer. Voilà. Donc voilà. Hop. C'est reparti pour se faire démonter en boucle. Tentative. Cent trente heures de jeu, non, non, c'est pas moi ça. C'est pas moi ça. Alors, comment on retourne à la maison? Hop. Ah, bah oui, forcément. Quitter le logiciel. Hop, quitter. Hop. Changer d'utilisateur. Quitter. Oui, je préfère. Voilà. On va retourner sur ma partie 130 heures. Ah, oui, non, 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 c'est pas moi. C'est pas moi, c'est ma femme là. Concrètement, c'est pas la même partie. Ouais, elle est déjà à 130 heures, ouais, elle est en train d'essayer de le poncer, quoi. Hérétique au bûcher! Mais non, 130, oh, tu rigoles, il y a des jeux, genre, il passait beaucoup plus de temps que ça. Beaucoup, beaucoup plus de temps que ça. Et donc, où je suis dingue, où ça m'a fait sauter le son. Non, c'est bon. Ok, donc on reprend, hop, sur notre partie, tac. On revalide, c'est parti. Et je crois que nous, on doit être à 5 heures de jeu à tout casser. Ouais, voilà, 2 heures. Ouais, c'est pas la même. C'est pas la même. Bah, c'est parti. Let's go. Allons se faire dépouiller de façon aisée. Ah. Non, non, j'ai pas joué hors stream. Benzi, ça serait de l'hérésie. Allez, c'est parti. Donc, bon, ben, on connaît déjà le principe. Roguelite. Die and Retry. Hop, où on change à chaque fois. Alors, faut que je me rappelle un peu des. Ok. Une fois la doublette, ben, la faux normale. Hein, la faux normale, hein, c'est reparti. Hein. Moi, je vous rappelle aussi que la dernière fois, un de mes problèmes avait été de le fait que je n'arrivais pas à vraiment gérer la manette. Hein, la manette, oui, je joue sur une manette classique, je joue pas avec les Joy-Con, évidemment. C'est une petite catastrophe quand je joue avec les Joy. Voilà. Joyeux Noël, je suis tellement enthousiaste, j'ai du mal à me contenir les guirlandes de Ré. J'ai dehors les fêtes de fin d'année. Ouais. Tiens, j'ai remarqué que vous avez déjà déballé votre secret Santa. Secret Santa, pardon, Loubarda. Qu'est-ce que vous avez reçu? J'ai reçu un super photo d'Anton Dumollard dans un petit cadre rose avec des chatons en motif. Voilà. Ah, vous avez l'air franchement dessus. Absolument pas. Je suis surpris, monsieur le président directeur général. Voilà, surpris. Mais c'est Noël, hein? Joyeux Noël! Allez, après le petit café, c'est reparti, on y va! Voilà, c'est vrai qu'on a retrouvé ça déjà. Voilà, on va essayer de se rappeler ici comment on joue, parce que c'est vrai que du coup, n'ayant pas pratiqué pendant un petit moment,
Je ne sais pas à quoi ça peut... Hop. On va essayer vraiment d'avancer. J'espère que ça va aller. Ah merde, c'est celui-là. Alors déjà, si je me rappelle pas des touches, ça risque de piquer. Je dois faire aussi la lettre où je dois rembourser la... Ah, c'est pas la même. Les deux cassettes, 6 mois après, donc une vraie... Vu que l'attente, j'ai envie de récupérer la faute de la mort. Tu m'étonnes. Si tu travailles... Oui, je me rappelle, t'inquiète. Eh bah oui. Oui, forcément, je me rappelle. Putain, ils ont mis du temps, hein. Bah écoute, j'ai envie de te dire qu'ils m'ont vu tard que jamais. Monsieur Dumollard, que vas-tu me proposer? Plus de PV, obtenir reconversion. Qu'est-ce que ceci? Pour relancer. Ah, je peux relancer. Oh, d'accord, intéressant. Lanceur déclenche des explosions autour de vous. On aime. Bah, franchement, j'avoue que je suis vachement plus attiré par les pouvoirs magiques que par parfois les sorts en eux-mêmes. Allez, hop là. Circle service Solari Prisnium, service mana, service de relance malédiction. Allez, c'est parti, on va ici. Service Solari Prisnium. Hop, ah oui, faut que je m'habitue à ma nouvelle cigarette électronique. Hop. Le dry hit peut être vite arrivé. Et si je paye pas les 10% de majoration à chaque fois. Ah ouais, bah là c'est sans vaseline en plus. Oula. Ah bon. Au moins avec Warlet, c'est pas bien compliqué. Y'a rien à voir votre tête. On sait que Secret Santa ne s'est pas bien passé. Ouais, boss. Bah, je suis dégoûté. J'ai pensé recevoir un truc qui me correspondait à un minimum. Quelque chose de dynamique. Qu'est-ce que vous avez eu? Une paire de leggings trop grande pour vos poumons? Ouais, bah, courage. Hein. Demande l'étalement, de toute façon. Qu'est-ce que vous avez eu? Une paire de leggings trop grande pour avec vos pompons? J'ai un peu frais, mais non. Hop, m'a filé des charentaises. Des charentaises, boss. Pardon pour les oreilles. Il croit que je suis en guimauve. Qu'est-ce que je passe mes week-ends devant Netflix? N'importe quoi. Bon, pas génial. Sur Vince Noël, mais on a baissé les bras. Mon combat entre l'apathie des fêtes de fin d'année n'en revient plus qu'intense. Ok, juste le petit blabla pour une fois, allez c'est parti. Hop. Bon, on est d'accord que cette faux là, ok c'est la faux de base, mais je la trouve pas dingue du tout. Hein. Hop là. Il n'y avait, ouais, avait rien là, il n'y avait rien. Hop. Alors je me rappelle plus de tous les mobs. Bon bah c'est pas grave, j'arrive pas à aller en haut. Tout ça gratuit. Bah oui, évidemment. Putain, pourriture.
Ouh, c'est un peu violent pour s'y remettre là d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Colère stellaire. Une pluie de granit, de météores encore plus grand et plus dévastateur. Wouah! Avec croix. Oh, j'adore! C'est ouf ce pouvoir! Ce pouvoir est dingue! Bon, je vais pas le garder longtemps, c'est sûr, parce que là je vais crever facilement, je pense. Donc, voilà, mais. Pognon! On a déjà plus de vie, hein. Pour rappel, on appelle. Alors, étage hasardeux. Étage intrigant. Allez, intrigant. C'est parti, on y va. On va essayer de trouver un petit truc sympa. Ne vous faites pas toucher. Ouah, putain. Putain, j'ai réussi! Je l'ai réussi! Oh, c'est ouf! Je sais pas combien de temps ça va rester tout ça, mais. On va essayer de se refaire un petit peu la main. Sur un boss. Histoire de. Cette musique d'ascenseur, sérieux. Je pense que je vais me faire décalquer. En plus, on a des sorts de ouf, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ah merde. Aucune arme. Voilà, hop, mettre en réserve. Ok! Je suis pas prêt, je vous assure que je suis pas prêt. Bon bah, je pense, je sais pas si on a perdu beaucoup de vie ou pas, mais en tout cas c'était pas mal. Hein. Ah oui, on a perdu énormément de vie, et ça clairement. Hop là. Ouais, bon, on va pas aller très très loin, je suis désolé. Emploi stable. Ouais, bah écoute. On va essayer de le prendre, on va prendre ça aussi. Allez, hop là. Quand Stel vous octroie un soin pur, plus 10 PV quand vous en détruisez une. Hein? Hop là. On verra bien.
On n'a pas le choix, donc le problème va vite être vu. Mais bon, là, concrètement, le boss, on ne fume pas. Que ce soit clair, on va se faire arracher au boss. Mais le jeu est trop stylé, ça m'embête de pas réussir à aller trop loin, quoi. Ah, je suis trop vieux pour ces conneries, moi. Ça, c'est quoi, ça? R. Ah, ça m'apporte du peu... Non! Putain... Oh, je suis deg. Bah ouais, acheter du coup. Putain, je suis dégoûté. Mes mots de Dumo, attends une belle attention de la part de monsieur Dumo là, contient une malédiction. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pam pam. Pumpkin. L'utilité d'une chose faite dans une chose de valeur d'usage est déterminée par les propriétés. C'est dur. Mais c'est tiré du capital, ça, hein? T'as le circuit de Santa que tu as eu? Ah oui, patron. C'est un gros livre, hein? C'est. Gérard qui me l'a offert pour Noël. Il m'a laissé un petit mot dedans. Trop sympa comme cadeau, j'aime bien les gros livres, mais je sais pas si j'arriverai à le finir. Je suis encore qu'au début. On voit pas du tout la valeur d'une marchandise déterminée par le quantum de travail. Qu'est-ce que le quantum, patron? C'est. Un montant qu'on... Bref, tu vois, Noël Kuhn. Excellent stage à propos. Bon, bah, on va aller voir Brad. Hein. Brad qui va nous, littéralement, nous rouler sous les aisselles. On va se faire arracher la tête. Salut Brad! Trop la honte, hein, dans cette boîte! Le boss il se fringue en père nono! Il fait des cadeaux de ouf! Je pense très certainement que c'est une requête égypte qui m'a formulé comme ça, d'entrée de jeu. Je sais pas, mais c'est Noël quoi! Il y a des valeurs, il y a des claques, etc. Watch, c'est quoi ce buff? Voilà, voilà! C'est parti pour la relance! C'est parti pour la relance! Non, mais c'est scandaleux, hein. Je suis bidon! Vous dites de plus en plus que j'adore le jeu, mais je crois que je vais le regarder à force. Hein, je vais arrêter d'essayer de le faire. Oh putain, ce quoi de Santa. C'est quoi déjà ça? Ouais, ça va, c'est bon. Hein. Gérard. Pas content, pas content, pas content. Gérard, qu'est-ce que vous faites ici? Que se passe-t-il? En tant que représentant des travailleurs et délégué syndical de Death Inc., j'annonce la grève du personnel de Death Inc. Ok, plus que ça. Tout le personnel? Quasiment, ouais. Et Gérard, du coup, de une question. Je suis content d'avoir l'accueil de passer de 1 million d'âmes en peu de temps. C'est un scandale. Nous exigeons une diminution. La présentation, vous voulez dire? Non, non. Une diminution des dossiers. Sur Hades, j'avais fini le jeu. J'ai voulu le speedrun en essayant de mourir le moins possible. Et du coup, j'ai pété mon record en le finissant en moins de 5 mois. Ah, ouais. Une diminution de dossiers à traiter. Oui, alors là, figurez-vous que c'est bien mon principal problème depuis le début, que j'essaye de faire le maximum. D'ailleurs, excusez-moi. Mais j'ai affaire. Ah, disait la grenouille.
Oui, ma mimine. Oui, ma mimine. Alors. Alors, je peux pas acheter des... Non, je peux pas acheter. Hein. Il y avait pas l'endroit où je pouvais acheter. C'est bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est là. Est-ce que j'ai un peu de promotion ou pas du tout? Ruse boomerang. Un sort bizarre qui vous revient dans la tête, mais sans vous affecter. À 80%, on peut encore le faire descendre. Ce genre de jeu comme Have a Nice Day, quand tu auras la technique, tu le finiras en courant. Ouais, non, ça c'est sûr, c'est sûr. Mm-hmm. Ouais, 1500 les gars, vous avez pas un peu abusé là? Combien? 10 000? Non. Si, si. Alors. Ouais, ouais, non, enfin, c'est 10 000, quoi. Ok, bon. Eh ben, hop là. Je vais aller vite fait voir. Voilà. Muriel, guirlande, sapin, dinde, nappe en tissu rouge. Petite panne d'inspiration de la révérence. Noël passe difficilement, on dirait. Elle n'est jamais en manque d'inspiration. Elle est simplement déstabilisée par le manque de goût évident de son Père Noël mystère. Ça se dit. Secrets, laissez tomber. Qu'est-ce que vous avez reçu? Un exemplaire de l'avant-garde artistique du 21e siècle de la part de Josiane. Alors quoi? C'est pile dans vos goûts, ça devrait vous flatter. Ce livre ne la mentionne pas. Oh putain, article pas. Notre filet consacré à la grande Muriel de la révérence d'infâmes philistins qui ont redirigé un index absurde. Bon bah... Allez, hein. C'est un sourd au sorceleur, au fertile vallée, au fertile vallée. Jette un sou au sorceleur, au fertile vallée. Ok. D'accord. Ah, tu l'aimes bien celle-là. Voilà, on change littéralement dans nos destins. D'ambiance. Crise imminente. Ah ouais, mais c'est abusé. Récupéré dans la salle de poste plus 50 PV max après avoir vaincu un fléau. Les dégâts des sbires sont réduits, les animaux soignent davantage. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Salutations, femme. Et tout ce qui s'ensuit, blablabla. Tous mes voeux, chers Oscars, vous avez l'air radios toujours en train de passer ici. Renouveler. Ah mais j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est quoi le chocolat de Santa que Patrice lui? Ouh Barda, il m'a fait une excellente idée de cadeau. Hein. Ah. Rien de mieux évidemment que Oli hein, pour tenir le choc. Pouvoir mourir tranquillement, mais avec le max d'énergie. Et je dévoile le nouveau spécial des fêtes de fin d'année, je me régale. Oui mais...
Donc sentinelle, oui, oui, ça va être une catastrophe. Bon, c'est pas la dernière, la reine d'Angleterre a fait. Oh, tu te détends là! Ouais, 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 c'est ce qu'on dit, ça. C'est ce qu'on dit. J'ai ce pouvoir, n'oublie pas. bien le contraire. Apprendre ou à laisser. T'as mis le monde 1 en moins de 8 minutes. Allez, on se le tente. Allez, on le tente. On le tente. Et oui, j'ai tous les pouvoirs. J'ai le pouvoir de faire ça aussi. Bon, ben révolte. Révolte. Allez, place, c'est parti. On a dit, on a 8 minutes. J'ai qu'une faux normale. Alors, on va essayer de se manier le fion. Hop. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Hop, j'ai pas fini mes revendications. Ouais, ouais, c'est bon, allez, hop là. Passons. Des employés, c'est pittoresque. Sans que toi sérieux, ils veulent que je leur demande de soit satisfaite. On voudrait pas un toboggan gonflable géant dans le bureau. Sûr. C'est une mérite environnement de travail convenable. Oui, je suis sûr que la girafe va demander vous aidera beaucoup avec ça. Oui. En fait, tu représentes bien Macron. Qui ça? Écoute-moi le lui. Quoi qu'on cesse d'ignorer le personnel. Je vous assure qu'on ignorait au contraire la minutieuse part. Alors qu'ils auront face à votre insistérité. Ouais. C'est bien admirable. Je dois le terminer en 8 minutes, donc t'es gentil, tu abrèges. Lance-sort, on a vu que c'était totalement fumé. Je le reprends. D'abord également. stock d'équipement. À la parvoie ici. Attends, c'est l'intégralité du monde 1 le boss que tu dois éjecter, c'est Born. Ouais, c'est possible. Oh, vas-y, c'est quoi cette baffe que j'ai prise à la fin? Ah bah oui, carrément. Il y a le bonjour dans le chat, chat. Essayer d'avancer. Contre 8 minutes, c'est en dax, hein. Je suis à 2 minutes 28. Ok. Chambre forte. C'est quoi dans la chambre forte? Je me rappelle plus ce qu'il y a dans la chambre forte. Tu es salué.
Pardon ? C'est des pièces jaunes. J'ai quoi ? Des pièces jaunes. C'est quoi les pièces jaunes ? C'est ce qui te permet d'acheter le stock, là. Où ? Et au début, là, quand tu meurs. Ah, il faudra que je regarde. On a 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire ? Ah. Vite, ah merde, j'avais pas vu, désolé. Je n'avais pas vu. Tu as la moitié de ta vie, ouais, je sais. Pas content, pas. Ah ouais. Magasin, bah oui, forcément. Ah. Peut-être pas totalement foutu, hein. Les 8 minutes, le premier monde. Mais bon, après, j'y crois pas parce que vu que le. Je me rappelle plus du tout. Ouais, le café. Bien sûr que je prends le café. Voilà. Allez, on va essayer de survivre. Je vais essayer de me le faire. J'ai 2 minutes 30 pour le faire. Si je veux remplir le contrat.
Chat. Hérétique au bûcher! Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il m'énerve, hein. Ah, ça m'énerve, hein. On va y arriver. Ouais, mais je sais, t'inquiète. Je sais que malheureusement, c'est que le premier. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pas content, pas content, toujours pas content. Ouais, oh. De Georgie, hein. Ouais, c'est là que j'achète, mais il me voit rien. Ah, quoi que, celui-là. Coup de fourreau, c'est bien, ça? Ouais, là, on va acheter. Merde, j'ai acheté un truc que je voulais pas acheter. Bon bah... J'ai acheté un truc que je ne voulais pas acheter. De nouveau chez Régis. Quoi, c'est quoi ça? Tu es 30 tenues en moins de... Ouais, c'est tendu, hein. Hop là. 30 tenues en moins de 2 minutes. Ça fait beaucoup. Ah. Il me propose plus ma petite faux là, ma faucille. C'est dingue. Ah ouais, à ce point là il y a tant de boss que ça. Vas-y. Là que j'en ai pas besoin, on me file du café. Voilà, voilà. Il y a combien de boss du coup? Est-ce que tu es allé voir, histoire que je sache? Une journée par boss, je pense que tu vas mettre. Ah ouais, ah oui, quand même. Ouais, ouais, non, mais ouais, bien sûr. Ok. Ok, ok. Bon, comme d'hab. Ok, comme d'habitude. Ah ouais, non, mais ouais, clairement, quoi.
Bon, ben révolte. Non, non, on n'autorise pas la révolte. Que c'est augmente le PV de 10, ça c'est bien. D'animat de prestige, qu'est-ce que c'est que ça? On va checker tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a mis ? Non, j'étais pas prêt. Je ne suis point prêt. Oh ! Vas-y, j'avais esquivé là, je suis pas d'accord. Ah, sérieux. Ah, c'est pas grave, hein. Dépôt de prisnium. J'en ai pas de ça, de prisnium. On va aller voir quand même. Histoire de... Des post-pressions, je pense pas que j'en ai déjà fait. Vu le ricanement derrière, je dirais que non, je n'en ai pas. Et que j'y vais pour rien. C'est cela? Ah, on a encore Gérard. Ah bah décidément. Il est gréviste mais hyper actif. Hein. Non! Pas content, pas content. Ouais, comme d'hab. Nous faisons une révalorisation des salaires, évidemment. Nous avons un réajustement salarial. Et très moins une augmentation. Belle grève plusieurs fois par jour. On nous ment. On nous.
J'ai oublié. Rien du tout. Je suis venu ici rond descendu pour rien. Oh putain! Ah ok, cool, c'est gentil ça. Ça j'aime bien. Ça c'est quoi ça? Mur? Ok. Ok. Oh c'est cool ça. Je pense que tu as encore le temps de streamer pendant... à définir. Qu'est-ce que c'est que ça? Prysnium. Ah, quand ça pop, faut pas hésiter à y aller en gros. C'est la super monnaie, c'est ça? Pour l'amélioration par exemple de, du magasin et tout ça. Ok. Imagine que le magasin, ça vaut le coup de l'améliorer. Après à définir hein, les... comment ça va, voilà. C'est à voir, mais logique, j'espère que oui. Hop, hop, alors. J'ai rien en réserve. Bah, il est pas là, Alfredo. Ah, bah. C'est abusé. Abusé. Hop. Ah ouais, le bouton retour, chaque fois je me fais. Par contre, il est gentil, mais là, Alfredo, il est... Ah bah non, ils sont en grève. Eh oui, s'ils sont en grève, il y aura personne. Eh oui, logique. Quand j'avais joué, j'ai augmenté que ma vie. Ah, tu as joué à Avnades? L'ulti, c'est comment déjà? Je me suis planté. Grâce à toi que je l'ai pris ce jeu. Ah ouais, parce que je me faisais penser. Bah ouais, ouais, bah en tout cas, bah cool, c'est fort mieux, c'est le but. C'est le but. Voilà, on lui a défoncé sa tronche. N'empêche, là, la première fois, je crois que c'était la P2. J'étais pas bien. Je n'étais pas bien du tout. Merci. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Plus 20 PV, bah ouais carrément. Monsieur Dumolard. Les sorts infligent 10% de dégâts bonus, ah ouais c'est pas mal. La fond inflige 10% de dégâts bonus. Les dégâts de cap sont réduits. Ah ouais. Le fléau vous octroie un soin pur. Le fléau, c'est quoi le fléau? Les fléaux. Ah c'est les gros. C'est ça? De quoi? C'est les gros balèzes le fléau?
tournois associés, vos plus terribles adversaires. Ouais, bah c'est bien ça en fait. Tu vas avoir un mec du Sadek, hein. Les boomers. Ah non, les boomers, ah non, ok. Les blobs, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, vas-y, va pour ça, allez. Il y a un truc, je crois, pour faire sauter les malédictions, non? Hop là, allez, c'est parti. Je crois que j'ai le choix, là, en plus. Entre les niveaux où je peux aller, non, je crois. Fontaine à Anima. Et ça, c'est une petite Anima contre une belle surprise. Ah, mais ça coûte de plus en plus cher. Ah ouais, il n'y a aucun employé nulle part. Alors, pollution industrielle, agroalimentaire nocif. Allez, on va pour l'agroalimentaire. À la fois, on avait vu la, l'industrielle. En agroalimentaire. Ils sont morts, tes employés. Ben... c'est bien vu. Oula. Ouh, c'est chaud là. Bon, ah bah ok, c'est totalement froid. Qu'est-ce que c'est cette pilule? Remplis les PV manquants avec des blessures. Oh, bah cool. Ah, c'est cool ça, les petites pilules. J'aime bien les petites pilules. Contente. PV Max, ouais bah c'est bien, mais attends, j'aimerais bien avoir un petit café là. Parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup de PV, mais... J'ai pas vu s'il y a eu un petit cadenas ou pas. Il y a longtemps que je suis pas tombé sur un petit passage secret. On peut descendre, tu crois? Non, on peut pas descendre. Allez, c'est parti. Stock de sorts, relance malédiction, stock de sorts. J'ai vu, t'es level 24. T'as 120 heures. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est pour ça, ça m'aurait un peu étonné.
C'est pas faux. Allez, on va à la suite. C'est bien beau envoyer hein, de la monnaie les gars, mais si j'ai rien pour la dépenser. Oh putain. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ceci? Bah écoute, je prends, j'ai qu'un sort de toute façon, donc pour l'instant... Bah, j'ai qu'un sort, mais j'ai aussi plus d'anima. Oh putain! C'est dangereux par ici, hein. C'est quoi ça déjà? Augmente temporairement la défense. Ouais, bon bah vas-y, go. Le corbeau, il est plus... Ouais, franchement, j'avoue que c'est assez badass, ouais. Flèche, est-ce que je remplacerai pas par Laurentia? Je fais pas de combo au sol. Allez, on échange. En réserve. Hop. Voilà, je dis que je fais pas de trucs au sol. Et là, je fais quoi? Des trucs au sol. Voilà, tout va bien. Ouais, je trouve que le corbeau est vraiment badass. Dépôt de Soulary. Chambre forte. Dépôt de Soulary. Allez, c'est parti. Ouais, franchement, ouais, j'avoue que c'est... Pour l'instant, je trouve que c'est le sort le plus... Un des meilleurs que j'ai trouvé, pour l'instant. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime bien. La pluie de météore, c'était pas mal. Mais là, franchement, au niveau style et tout, je trouve que c'est celui-là que je préfère. Ah, putain. Je suis dégoûté. Il y a un passage secret, je peux pas y accéder. Ouais, c'est plutôt moche, ouais. En plus, j'en parlais tout à l'heure, j'ai dit putain, c'est pas vraiment que j'ai pas vu de passage secret. Je suis dégoûté. Alors, courage. Il y a donc... Oui, il y a des passages secrets et pour ça, il te faut de l'anima. Donc, en fait, il faut que tu te soignes devant. Illuminarque. Ouh, ça a l'air pas mal ça.
Ouais, je vais le mettre en réserve celui-là. Ah ouais, il dépasse. Je sais pas si t'as vu quand je me suis approché du mur, il y a un petit cadenas vert. Allez, à tout chi. Et en fait, quand tu as les petites petits cadenas verts, ça veut dire que tu, si tu claques, si tu claques un soin en gros à côté, vraiment collé, parce que sinon ça passe pas, tu ouvres un passage secret. Alors ça te coûte une anima, mais généralement les récompenses sont vraiment intéressantes. Je sais pas si t'as fait 4 tout à l'heure, je l'avais, c'est sorti. Je trouve qu'on est bien parti, donc service solarium. Prismium, je pense que c'est pas mal. Dire viens faire le con. Pour venir perdre tes tes PV. Ouais, j'ai pas un brin de truc pour me soigner, ça par contre. J'aimerais bien en avoir, ça serait bien. On est d'accord qu'on marche quand même sur du cheddar, quoi. Et ouais. Oh, oh, mana power, 100% de mana. C'est trop badass. C'est clairement trop badass le les corbeaux. Pognon à gogo! Et un deuxième passage secret que je n'ai pas accès, je suis tellement blasé. J'espère que maintenant qu'on a une anima, on va pouvoir... Hmm.
pas se laisser brosser. On va quand même se faire les frites parce qu'on a vu que ça pouvait donner un truc intéressant. Le problème c'est que là je garde mon animal espérant tomber sur un passage secret, savoir que là je vais plus tomber dessus. C'est que ça relance les malédictions. Je suis de retour, mon chat a fait une bêtise avec... Ah ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de discuter ? Il est sociable ? Hyper stylé là. Le truc du papillon, c'est hyper stylé. Il a fait crash ma tour pendant quelques... Ah ouais, quand même. Ah, il est badass ton chat. Ah, il est clairement badass. J'ai eu la meilleure petite pause déj de ma vie. Toutes les formules de massage, la bouillabaisse des doigts, le roulis des os, la torse des tendons et le toucher du délirement préféré. Je mérite un petit cadeau pour ça, Marcel. Tadam! Toute la force et la douceur de chocolat de qualité pour succomber à la tentation. Hop. Donc ça... Oh, oh putain, oui, j'avoue qu'il fait mal quand même. Ah, je me tâte de le prendre là quand même. Une belle attention de la part de monsieur Dumoulin, contient une malédiction. Ah ouais. Je vais l'acheter et je vais remplacer ça. B. Ah mais je peux aller le revendre en plus direct. Hein. Ce soir, privé de croquettes. Ah carrément. Carrément. B, retour, allez hop là, c'est parti. Le boss du deuxième niveau, alors la dernière fois qu'on l'a croisé, on s'est fait arracher. Donc là j'espère que ça va aller.
Bah t'es fou, toi tu veux qu'il y ait une révolte. Bon, alors dernière fois que je l'ai croisé, je me suis fait défoncer la tête. On va essayer que ça aille mieux. Et salut Kaya Moren, j'espère que tu vas bien. Ah, il a l'air un petit peu vénère, hein. Ah putain, il m'a touché. Et moi je l'ai même pas touché. Ah putain. Et ben voilà, ça c'est fait. Ça va, mais une sieste de 30 minutes qui s'est transformée en 2 heures. Ah oui, effectivement, c'est pas la même. C'est bien, t'es arrivé pile quand je me faisais éclater ma tête. Voilà, voilà. Alors la question c'est, qu'est-ce que le Prismium, est-ce qu'on le conserve? Ah ben non, je le conserve pas. Nouvel article, gelée artichaut framboise. Attends, 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 attends. J'adore mon méga crayon. Maintenant, je vais pouvoir écrire en gros. Merci pour ce cadeau. Vous êtes le meilleur de tous les meilleurs. Ok, si tu veux. Alors. Donc là, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, bah oui, c'est... Nous avons tous compté. Alors ça, j'arrive pas trop à savoir comment je fais pour les débloquer en fait. Finir le jeu une fois. Ah oui, d'accord, ok. Finir le rituel d'Halloween. Mais je veux bien moi, mais comment on fait? J'ai du mal à comprendre, j'avoue. Là, il n'y a rien qui est disponible à la vente. Eh ouais, c'est ça. B. Ok. Bon, du coup, t'es bien reposé pour ce soir. Moi, je suis en train de me faire arracher la tête toutes les 2 minutes. 2005, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ah oui, non, mais là, non, c'est trop tard. Moins 80% sur la Russe Boomerang. Pour 20, allez, on va l'acheter. On va l'acheter. Moins 95% sur la pute pierre. Ah bah ouais, carrément. Bon, je pense que j'aurai pas de meilleur ristourne. Ah, quoi, quand même, petit moins 50%. 100% colo et terriblement agaçante. Ouais, non, c'est bon, on a déjà pris 2 trucs. Ah, mais attends, ce qui veut dire qu'en fait... J'espère juste m'endormir, car demain, je commence... Ah ouais, ça pique un peu, quand même. Ça pique un peu. Ouais, c'est le meilleur prix, là, en fait. Ça, je vais l'acheter. Et j'ai vu qu'un... Il y avait les abeilles, aussi. Qui avaient l'air pas mal. Ouais, les abeilles, à moins 50%, c'est quasiment le meilleur... Ah, ouais, c'est un bon prix. C'est un bon prix. Trop cher. Trop cher, mon fils, trop cher. Hop. Donc voilà. Est-ce qu'on n'essaierait pas un comme ça? Ouais, non, c'est abusé. Je peux pas essayer comme ça. Je peux pas. C'est pas possible. Allez, qu'est-ce que tu veux? Well doing. Toutes ces maudites chansons qui restent logiques. Excellent. Alors, allons, vous connaissez l'astuce. Soyez. Franchement, soit. Oh la grosse ref!
Oh, la grosse référence. Mais cela fait des années que... Quand tu manies la fosse, c'est un expert. Quand tu claques la cape, mon sort s'accélère. Tous les flots... Oh là 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 là. Ah bah, il y avait une grosse ref Kaamelott, là. Hein. Ça fait du bien. Je sais, patron, je sais. Du nouveau chez Régis. Ça me donne un sort directement. Vaincre le premier Tanager en moins de 5 minutes. Tanager, ça fait 3... Non, je le sens pas. Je le sens pas, désolé. 5 minutes. Ouais, Josiane. Josiane, elle est. Portez-vous les doigts du cul! Merci, ça fait toujours plaisir. On essaye, je t'avoue qu'on essaye. Cette petite musique d'ascenseur, elle est impeccable. Allez, un petit peu de Holly. Kermoren, t'as déjà essayé toi ou pas encore le Holly? Ah, la faux filante. Ah, la faux filante. Ma préférée. Pas encore. Non, la faux filante. Basta. Terminé. Ok. Ok, ok. Ben là, en ce moment, j'ai réussi à négocier pour un petit mois. Je sais pas si t'as vu sur le Discord de la partie Oli. J'ai réussi à négocier un petit tarif qui est très bien pour le premier... Pour le premier achat, c'est 5€ cash en fait. En moins sur la première commande, ce qui fait que le pack découverte, il est à moins de 15€. Ça te permet d'essayer, ça te permet de découvrir les goûts. Et franchement, moi je trouve que goûter, c'est l'adopter parce que franchement, c'est très très bon. Moi je m'éclate. Hein. Là, je suis sur le tout dernier, moi, mais. Le tout dernier, je le trouve vraiment stylé, quoi. C'est le petit frog, le dernier. On est vraiment sur l'exotique, puisque c'est... Après, la consommation de Monique, c'est 2. Alors, l'énergie, c'est 2 par jour, c'est... voilà. Sinon, l'ice tea, c'est autant que vous voulez. 2 par jour, parce que c'est blindé de caféine, de théine, tout ça. Donc, 2 par jour, c'est bien, surtout si vous êtes sportif, c'est pas mal. Et pour le reste, pour le, comment on appelle ça, pour l'ice tea, c'est autant que vous voulez. Ça, c'est plutôt cool, quoi. L'ice tea bien bien frais, franchement, c'est pas mal du tout. Quand Stel vous octroie un soin pur, ouais, bah oh, tranquille, tranquille. C'était juste une proposition parce que c'est vrai que l'été arrive. Je sais que bah, moi, je bois beaucoup d'eau, par exemple. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est bien d'avoir, tu vois, t'entends, moi je me prépare avec du sirop ou quoi, même ça me cassait les pieds d'avoir une dose sucre, parce que je suis pas très sucré. Et là, l'avantage, c'est que t'as pas de sucre et t'as ce semblant sucré, justement, et c'est vraiment très cool, quoi. Donc, et puis c'est bon. C'est bon, et c'est surtout pour ceux qui consomment, je sais pas si vous en faites partie ou pas, mais pour ceux qui consomment... tout ce qui est Red Bull, tout ce qui est Monster et tout. Vraiment, voilà, vous repartez sur quelque chose de vrai, Monster. Une canette de 50 centilitres, c'est quand même 50 grammes de sucre, hein, faut pas oublier. Hein. Donc, Red Bull, je sais pas, je vois pas trop combien de sucre peut avoir là-dedans. Mais voilà quoi. Franchement, on va se boire un petit shaker de Holly plutôt que plutôt que même un verre de Coca, quoi. Regarde, Coca, je trouve ça déjà trop sucré. Après, Coca, pour certains, c'est une drogue. Hein. Voilà. C'est ce que je peux comprendre. Hein. On a tous... Voilà. Ouais, le Coca, c'est le pire. Coca, c'est scandaleux, quoi. Et alors ça m'éclate parce que des fois t'en as qui font super attention et tout, ils vont bouffer de la salade, machin et tout. Et à côté, par jour, ils te boivent 2 bouteilles de coca. Je
crois que t'as pas tout compris, mon grand. Putain, ça m'énerve, je me suis fait toucher là. Une boisson faite avec du sucre à 100%. Parfait pour... Et c'est ça. Et le pire, c'est que je connaissais... Je connaissais une diabétique qui buvait que du Coca Zéro. Voilà. Parce que bon, il n'y a pas le sucre, ok. Et ça lui est arrivé déjà qu'on lui serve du vrai Coca. Enfin, pour elle, c'était la cata, quoi. Parce que son taux de sucre, du coup, ayant complètement explosé après derrière... Hein. Ah forcément c'est pas cool quoi. Donc ouais des fois ils sont inconscients. Oh putain on rechoppe les corbeaux. C'est pas beau ça. Et là c'est de l'inconscience de la part des serveurs quoi qui lui a fait ça quoi. Stock d'équipement sous la roue Prisnium, bah allez c'est parti. Si on arrive à le choper c'est bien. Vas-y. Donc là, vous allez voir, on a... Yes, je l'ai bien vu. Alors voilà, je sais pas qui c'est qui me posait la question tout à l'heure, je crois que c'est Benzi. Ben voilà. T'as vu du coup comment on fait pour accéder au... Ça a coupé et qu'est-ce que ça fait? Ah c'est con! C'est con, je t'ai montré l'utilisation devant un... pour un passage secret. C'est ballot quand même! On vient d'avoir accès à un passage secret. Ouais, c'est pas la peine que j'en cherche, on trouverait pas d'autres ici. Du merci à SFR, ouais bah ouais j'imagine. Dépôt d'anima, c'est parti. Pa-pa-la-pa-la. Eh bah bien sûr cette musique ascenseur. Ce qui est pas ce que vous avez capté c'est quand même la musique à la con que j'ai mis au début du live. Dans la phase d'attente, c'est elle qui a. Oh, vas-y! Ah, ça m'énerve de prendre des baffes comme ça. Ah, quand ça se passe comme ça, ça m'énerve.
Et là, mon escape, elle est où? Bon, bah là, on n'a pas trop le choix, c'est magasin, de toute façon. Le magasin. Ah oui, je me suis trop à la fête de Marcel, il avait besoin de stress. Oui, oui, c'est vrai que les difficultés. Oui, je suis genre tranquille, Bill Raoul. C'est censé être le boss en fait, tout ce que je vous raconte. Vous avez 5 petites minutes. On sera avec plaisir, mais. Alors j'ai essayé de m'inscrire à Amour est dans la fosse. Amour est dans la fosse. Nous en sommes pas ce que vous en dites, mais je crois que c'est toute méchance. Je crois qu'il faut que je mise tout sur l'expérience que j'ai tirée de mes précédents rencarts. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous débauché sur quelque chose de. Mais l'expérience. Fait tout, hein, n'est-ce pas, boss? Certes, je pense que vous avez vos chances, donc. Tenez, mon histoire avec Maris, par exemple. Je me sentais un peu bête car je m'étais à pointer à l'heure à notre premier mariage, sauf que. Ah, baladeuse a fait décider autrement. Elle s'est pointée en retard. C'est une grincheuse, cette main gauche. Je me demande là où elle est. Oui, oui. Encore un détail assez négligeable. Mais non, boss, imaginez l'embarras, le pauvre. Pas vrai rise, comprenez pas trop. Ah oui, quand j'étais autant auprès de la serveur pour qu'on me mette la paille au seau. Enfin, la regarde cette fois-ci, c'était gérable, mais par contre, à la fois de la Dominique, c'était chaud. Et quand je dis chaud, c'est pas dans le sens olé olé, non, non, on sait bien. Je ne pensais rien, à vrai dire, je. Donc, Dom voulait que je fasse une séance piscine, histoire de. Vous voyez. Mais bien sûr, pas fou. Enfin, mon propre slip de bain, petit boxer, bonnet, réglementaire. Tiens, c'est pour toi, Bundy. Mais évidemment, pas le plan de ma chère main baladeuse qui était décidée de torpiller mon rencard. Elle s'est ramenée en bouée canard et avec exprès comme Dom toute la soirée. Quel malaise. Malaise tout à fait. Je peux limite. Ce que je peux faire pour impressionner mes partenaires avant l'émission, c'est que je change quelque chose chez moi en. Ajoutant une petite touche sexy. Tu pourrais m'enlever un œil par exemple, ou bien un pied. Quoique, je sais pas. T'es pas me retrouver avec un autre membre dissident. Enfin, pas une deuxième main, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Enfin, c'est pas sale. Ouais, ouais. Bon, c'était fini. Je souhaite tout le succès possible pour l'émission. Et moi, je. Ah oui, boss, attendez, une dernière chose avant que vous partiez. Putain, mais il va me tenir à jour mon temps, là. Enfin, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai une question. Et si je me faisais une teinture rose de ce côté et je me faisais un petit side cut là, hein? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être un peu de jeunesse dans mon look, qu'est-ce que vous en dites? Faites ce que vous voulez! Bon, permettez-moi, je me sauve là, voilà. Ah bah putain. Alors, on a quoi? On a un petit café, déjà le petit café c'est obligatoire, on le prend. Voilà. Onde de choc, je l'ai jamais eu. Est-ce que je ne décerais pas le prendre ou est-ce que je prends 75? Allez, on va tenter un. J'ai pas assez de toute façon. Allez, pas assez, bon, on va le prendre. Ça peut être pas mal. Ah putain, il y avait amélioré le magasin là. Et je l'ai pas vu tout à l'heure. Je suis un boulet. Je suis un. De gros boulet. Bon, en tout cas, Marcel. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Marcel, la ferme est dans le pré. L'amour dans la fosse, ça peut le faire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous du côté de Marcel, de la Marise ou Dominique? Quel est votre avis? Allez, salut Brad.
Putain, je me suis jeté dessus, quoi. Jeté dessus, littéralement. C'est pas comme ça qu'on va réussir à avancer. Je dis ça, je dis rien. Je suis du côté de la mort, ok. Bon. T'as quelque chose à me vendre? Une petite mise au point pour gonfler les bâches de Pitbook. Qu'est-ce que c'est que ça? Encaisser 75 coups sur 100. Ah oui. Ah ouais. Bon, je vais tenter de prendre des abeilles, tiens, voilà. Non mais c'est la blast quand même, parce qu'à chaque fois on est pas loin et chaque fois on se fait poutrer bêtement, quoi. Ça c'est quoi? Bonne affaire. Bon, bah écoute, l'autre, je vois pas trop ce que c'est, l'insigne du... Oui, mais c'est bon, j'ai signé. Ah, mais c'est un sort, en fait. Il m'a filé un sort direct, c'est bon, ça. Ah merde. Bon, on va réessayer les fossiles, mais la dernière fois ça m'a pas plus convaincu que ça. Encore ? C'est moi qui m'a filé une carte directe. Ouais, je confirme les fossiles, je suis carrément pas... Pas... Voilà, les fossiles, je me démerde super mal avec. J'aurais pas dû les prendre, c'est déjà un fail dès le départ. Monsieur Dumollard, bonjour. 10 PV, l'attaque de la faux inflige 5. L'attaque principale. Ah ouais. Attaque chargée, une attaque chargée, je la fais pas et j'ai pas la faux. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'on va? Cet âge intrigant. Let's go. Alors, s'il y a un truc bizarre qui est inscrit, il faut avoir de l'expérience pour jouer. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue que la faux... Enfin, les faucilles, j'aime pas. Les faucilles, j'aime pas du tout.
Ne vous faites pas toucher. Oh putain, oh, c'est mort. Bah ouais, échec, tu m'étonnes. Vous êtes trop nerveux. Ah ouais, mais... C'est... Non, c'est pas du tout, c'est pas le passage secret. C'est un étage intrigant. C'est un étage intrigant, tout simplement. Ça, en fait, tu peux avoir des trucs si... Si tu réussis les défis, et pour l'instant, je n'ai pas beaucoup réussi de défis, on va pas se mentir. Ouais, clairement, c'est pas fait pour moi les fossiles. Hein. Tape fort! Wouah! C'est quoi ça? Oh, je me suis fait mais arracher la tête! J'ai plus de PV quoi! Élimination 50% de régénération de mana. Raffinement arcanique. Applique un effet grand. Un effet quand la faux ou une arme. Cap touche une cible ennemie. Ouais, carrément. Non, non, passage secret. Là, j'ai pas pu t'en montrer. Il y en a eu, hein. Étage hasardeux, bah c'est parti, allez. Hein. De toute façon, on est bidon, alors. J'ai regardé X Défiant 2 est sorti de nulle part ce jeu. X, alors je le connais même pas. Je le connais même pas. Ça sort d'où ce jeu? Il est sorti sur quoi? Dis-en un peu plus si tu peux. Je me suis fait défoncer. Le temps de faire ton deuxième boss, j'ai le temps de commander ma pizza, j'ai récupéré et puis là j'ai mangé. C'est pas vrai, déjà ? Oh, ça a été rapide, hein ? Même là, pour frapper en hauteur, putain, je suis pas convaincu hein, de cette arme, vraiment pas. Hein. Alors ça, il me reste 3 PV, je fais quoi avec 3 PV à part me gratter avec ? Tu l'as quoi?
Eh ben voilà, même pas fait un boss. Putain, c'est honteux les gars, c'est honteux. Non mais c'est exaspérant à quel point je peux être bidon. C'est... Je me fais de la peine. Ouais, c'est pas seul. Faux. Merci. Merci, ça me touche. Ça me touche. C'est très gentil de confirmer... Quand je me casse tout seul, ça me fait vraiment plaisir. Je me sens moins seul. Chut. Allez, rajoute-en. Bon, allez, est-ce qu'on essaierait pas comme ça, histoire de voir? Histoire de voir si je suis complètement nul ou pas. Apprendre ou à laisser plus 50. Du nouveau chez Régis. Plus 50 direct. C'est bizarre là-haut. À prendre ou à laisser. Le signe d'accord, je vais commencer avec un sort. Pa la papa. Je croyais que je commençais directement avec non. Ah bah la faux filante, ça se discute pas. Ça se discute pas. Vous savez quoi? Direct. Allez. Direct. Allez, on va voir, sans rien, à poil. Ah, il te donne quand même un sort. Ah ouais, à poil, pas de nudiste ici. Comment tu vas, Makai? Est-ce que ça va bien? Alors, c'est quoi juste le sort, là? Ok. Tu viens me voir me faire défoncer la tête? Bah, c'est bon, t'es au bon endroit. Entreprise fait faillite. Ouais, clairement. Franchement, la lance, j'aurais pas cru, mais elle fait extrêmement mal, puis elle te donne une allonge phénoménale. Donc, à s'en rappeler, parce que franchement, ça vaut le coup. Obtenez 30 sous la rie, ouais, bof. La cape implique plus 5 dégâts bonus. Imprégnation brûlure, ça se discute pas. On va tout cramer, vive le napalm. Alors qu'est-ce que ça raconte, ta quoi ça? Hérétique au bûcher. Bah justement, parlons-en. Le bûcher, le feu, toujours le feu. Le feu, c'est la vie. Quand tu as un problème, le meilleur moyen, tout cramer. Alors, commence tout.
du molar ici. La mort, tiens. Un emballage de Secret Santa. Je suis très surpris de vous voir ici pour y participer. Oh, très certainement une erreur, il a été méprise. Ah ouais, t'as dû vous offrir cette quelque chose à quelqu'un. Comment appelle-t-on cela? Un hand spinner. C'est un ridicule. Pourquoi pas un frisbee? Étrange, d'après un bruit de couleur, ce genre d'accessoire puéril devrait vous plaire. On vous a déjà manipulé un yo-yo, mon cher. Bien sûr. Une rumeur infondée. On ne s'arrange pas de votre dépression. Elle vous fait imaginer des grotesques calomnies. En attendant, merde. Eh bien, j'aurais autre chose à faire que de vous souhaiter le meilleur vœu. Ah, c'était juste comme ça, d'accord. Par contre, ça m'a... Ah, cool, ça. Mais ça, j'ai vraiment de litchi. Non, je prends pas. Fontaine à Anima. 10 pour 1. Allez, c'est bon, on va en tester un. Bah, ça valait le coup. Voilà. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Là, c'est 30 la prochaine. Ah non, on va peut-être pas tenter. Qu'est-ce que tu veux, Gérard? C'est la guerre. Qui te cherche ce guignol des mathématiques? Et non, Gérard. Les fêtes de fin d'année sont faites pour partager les bons moments. C'est l'esprit de Noël quand vous ronchonnez comme ça, hein? Allez. Ça, Régis, c'est son secret de Santa diabolique, boss. Franchement, c'est un scandale. Eh bien, tu as reçu un très beau tir de ce que je vois, pris après. Avec marqué au-dessus, éternellement deuxième et nul au rallye café. C'est une provoque, c'est honteux. Je vous le dis, boss, il va pas se sentir passer l'esprit de Noël. Je vais lui faire bouffer ses datas. Allez. Bon, on va aller en restant... Ah, nocif, c'est pas gros. Ah oui. Ah, l'industriel, il tente aussi, hein. Bon, alors, on va retourner sur l'alimentaire, histoire qu'on arrive à se le faire. On l'a déjà croisé une fois, on y est allé une fois. Est-ce que c'est potentiellement pas possible d'y retourner, de pouvoir enfin lui fumer sa gueule à Waldo? On est d'accord que foutre de la malbouffe dans une entreprise, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah, qu'est-ce qu'il veut encore? Régis. Et joyeux Noël. Tout ci, tout ça, tout ça. Et le meilleur vœu aussi. On est tous super heureux. Eh bien, on a eu au moins ce qui est content de son secret de Santa. Qu'est-ce que vous avez reçu? Une théière imprimante 3D par Orvue en Liège. En Liège? Oui, pas très grave, pas très grave. Elle va fuir au premier apprentissage, mais son intention est là. Orvue m'a mis un mot sympa dessus. J'ai encore du mal à saisir l'intérêt d'une théière en Liège, mais... Vous êtes content tout de même, c'est le principal. Et avoue que une théière en Liège... Pourquoi pas? Alors, la dernière fois, on est passé par ici, on a vu trois passages secrets qu'on n'a pas pu... Donc là, j'espère que ce coup-ci, on a des... Ah, putain. On va peut-être pouvoir... En... J'ai pas la ref de ton titre, en fait. Ah, mais y a pas de ref... De vrai ref, en fait, dans le titre. C'est vraiment l'histoire du jeu, quoi. L'entreprise qui déconne... C'est moi qui me suis tapé un gros trip... Sur mon titre, rien de plus en fait. Ah, pour une fois, il n'y a pas de ref dans le titre.
vous voyez, le coca, voilà, c'est ça. C'est pas bon pour la santé, hein. Il vous le dit bien, clairement, là. Ah, je suis déçu, du coup. ouais, non, pour une fois, il n'y a pas de rêve dans le titre. J'ai fait de façon normale. Stock de sorts. Ah, dépôt d'anima. Intéressant. Likamen, comment ça va? Pas trop de taf en ce moment? Peut-être que tu dois bosser comme un taré. Je pense que ça doit être assez tendu. Côté. Ouais, c'est ça, c'est quasiment la dernière ligne droite là. Fatal Fritas, vous aimez le sel? Mais je ferme la parenthèse, voilà, arrivé à la chaîne de production principale de Waldeburger. Alors, autant vous le dire tout de suite, évitez de goûter tout ce que vous voyez défiler sur le tapis roulant. Tout est comestible ici. Moi-même, je le suis, mais comme on le dit souvent, mon collègue Gérard, parfois la bouffe se rebiffe. C'est un poète, Gérard. Depuis qu'il fait manger sa chaussure par du cheddar sauvage, il a beaucoup changé. Bah oui, tu m'étonnes. Merde. Vas-y, il me file du café alors que là j'en ai pas besoin. Je suis dégoûté. D'ailleurs, Benji. Hop. Hop. Ça va et toi? Non, je fais mon dernier cours officiel cet après-midi avec un examen, donc cool. Et pour le PAF, on est au-dessus à fond, comme tu le vois. Ah, bah, j'imagine. J'imagine, c'est quoi? Il vous reste vraiment un mois de préparation et après. Enfin, un mois de grosse préparation. Vous n'avez pas encore tous les invités, j'imagine. Donc, ouais. J'imagine que ça doit être pas mal de boulot dessus. C'est pas une solution, c'est la solution. On est tous d'accord. Quel grand philosophe. Quel grand philosophe a dit ça. C'est... Ils sont généreux, je trouve, hein. Ben, là, de mon côté, c'est surtout la gestion des plus... Ouais, là, de mon côté, c'est surtout la gestion de mon publication qui prend du temps. Et après, on va surtout se mettre dans l'orga dur. Ouais, c'est-à-dire tous les trucs à imprimer, mettre les places, etc. Énormément de travail, quoi. Ah bah tiens, c'est parti. Voilà, maintenant on fait des proutes nocifs, hein. Ouais, il reste pas le... Là je suis assez... Enfin j'essaie de suivre quasiment tous les 2-3 jours hein. Au niveau des invités et tout, c'est assez stylé, hein. Stock de cap. Alors là, volontiers. Et j'ai vu qu'en plus vous êtes bah, forcément délocalisé puisque Acropolis est terminé. Bah je t'en prie, franchement, bah, je connais un peu au niveau événementiel le taf qu'il peut y avoir. Et... C'est les, la dernière ligne droite, généralement, c'est la plus dure. Tiens, boss, je peux finir la petite tournée d'inspection des bureaux de la section A10PE. Je préfère vous prévenir direct. Ma chaussure gauche est tombée dans une cuve à cheddar fondu. Le plaisir.
et remonter tout le département agroalimentaire nocif à cloche-pied, paye ta journée du festival. Ridicule. Tu m'étonnes. Donc, conclusion de l'inspection, tout ce sur quoi Waldo Bass donne plus envie de vomir que mourir. C'est tout pour moi. Bah, bien mérité une petite pause, ouais. Avec un bon café. Bien, bien serré. Tu m'étonnes. On va essayer de garder quand même de l'anima, on sait jamais si on trouve des petits passages secrets. Et vous avez du beau monde à la GV, hein, franchement. De toute façon, chaque année, hein, vous avez du beau monde, hein, autour. Mais là, j'avoue que la Dwarf Fish m'intéresse d'autant plus, quoi. J'ai une question purement rhétorique d'ailleurs, Lika. Bon, je sais que ça ne dépend pas que de toi, ça dépend de beaucoup de choses, mais mercredi. Est-ce que tu penses qu'un jour, vous allez réussir potentiellement à faire venir... Oh putain! Est-ce que vous pensez qu'un jour vous arriverez potentiellement à faire venir Astier? Putain, si vous y arrivez, mais ça serait le feu! Mais le feu, ne serait-ce qu'une journée. Ouais, c'est pas faux. Dis, t'es sûr, eh ben, tu m'étonnes. Je n'espère que ça, je t'avoue, en prime, un concert. Alors là, je t'avoue. Waouh. Franchement, waouh. Voilà. Juste ça à dire. Ça serait tellement dingue. Alors, là, la question, elle est claire. Est-ce qu'on va direct essayer d'aller voir Waldo en essayant de pas trop se faire défoncer ou on essaie... Oh, allez, vas-y, on essaye. C'est parti. On est là pour de la dinguerie. Autant qu'on essaye de se faire éclater la tête. Salut les runners. Je vais allumer un peu la lumière. Hop. Après, je sais pas d'où est-ce qu'ils sont, le Nalland. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sont, le Nalland. Franchement, je sais pas du tout. Ils sont du nord, non, je crois. Et hop là, petit passage secret. Comète stellaire, c'est de la bombe atomique, ça. Ça dure 7 secondes, hein. Je crois, mais c'est... Paint of Chaos qui est dur à avoir, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais j'en doute pas, j'en doute pas. Parce qu'en plus, je crois que, ouais, les Paint of Chaos sont jamais... Enfin, je pense pas qu'ils soient déjà descendus, en fait, sur la région. Ah, mais ça serait de la dinguerie, hein. Et tu crois, toi, que Paint of Chaos serait plus compliqué à avoir qu'Alexandre? Alors,
c'est la première fois qu'on le rencontre, on sait pas sur quoi on va faire. On va essayer de voir ce que... Ouf. Ouah, c'est bon, tu vas te détendre là. Oh! Ah bah merci le météore, hein. Merci le météore parce qu'il m'a fait le café là sur ce coup là. Hein. J'ai perdu quasiment toute ma vie dessus. Et je claque directement l'anima. Hein. Quoique... Pas aussi bas tu crois? Ah ouais? Quoique à Marseille peut-être... Et oui, dans le sens où Path of Chaos. Je le vois moins sociable en vrai que... Et Astier, il pourrait... Pour de la promo par exemple. Hey, t'as peut-être pas tort quoi. T'as peut-être pas tort. C'est pas bête. C'est pas bête ce que tu dis. Ça peut être bien stylé, ouais. Même très intelligent ce que tu dis. Bureau du Molard, étage SR2. Ouais, étage SR2, ça peut être pas mal. Et Lika, est-ce que par hasard, toi, tu as testé un peu le jeu? Tu l'as déjà un petit peu vu tourner celui-là? Je pense qu'il y a des chances. Vu que là, ça a été le gros succès des derniers derniers moments. Je sais que pas mal l'ont fait et sont ou cassés les dents ou régalés sur le jeu. Ce que je peux comprendre dans les deux cas d'ailleurs. Et mine de rien, il est loin d'être facile. Gastier pour être ok car avoir des échos de ses potes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et vous en avez déjà eu pas mal. Hein. Ouais, je sais, vous êtes franchement. C'est vrai que ouais. Merci pour être ok car avoir des échos de ses potes qui sont déjà venus. Ouais, l'an dernier, ouais, je sais. Board cette année, je sais. Et j'ai pas joué à celui qui. J'ai pas joué à celui-ci, mais. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok, ouais, bah c'est vrai que c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, hein. Parce qu'en plus, a priori, d'après ce que j'ai entendu des échos quand certains sont allés voir à Lyon et tout, a priori, il est assez, assez accessible en plus, hein. C'est ça qui est ouf, hein. Alors là, je sais pas trop par où aller. Pas d'étage secret. Bon, allez, je vais le buter lui. Mais c'est vrai que, ouais. Elle est accessible en tout cas est très. Ouais, bah alors ça m'étonne. Mais alors, absolument pas la franchise qui pourrait avoir. De toute façon, on le voit dans tout, hein, de partout. Hein, Et ouais, je pense qu'effectivement, niveau accessibilité, ça pourrait être quelque chose de dinguissime. Mais c'est vrai que ça pourrait être dingue. C'est vrai que comme du coup, ça fait... Quoi, c'est la troisième personne? Ah, les corbeaux, je les aime, putain, les corbeaux. Je vais le garder en réserve, les corbeaux. Mais là, les deux sorts sont complètement ouf, hein. Parce que
Mais déjà, vous avez une super bonne renommée sur le PAF. Ça pourrait être encore plus dingue, quoi. C'est quoi? C'est la cinquième année, sixième année déjà, hein, je crois. Hein. Sixième édition déjà. Putain, ça passe. Hein. Ça passe. Et tu vois, les gens comme Bunzy, là, sont jamais venus. Voilà, c'est un scandale. Alors que je suis sûr qu'ils s'éclateraient en plus. Mais vous parlez de ça? Mais oui! Mais bien sûr! Ok. Bienvenue chez vous! Vous arrivez à point nommé, vos désirs sont des ors, vous êtes bien armé pour le combat. N'oubliez pas au fléau. Ah, t'as fait la première ou deuxième? Même t'as pas fait les autres. Voilà, t'as raté des grands moments. Et je ne reçois que des ordres de vous, mon maître. Attends, il me propose de quoi? De les EP? C'est sérieux, il me propose de les EP? Ah ouais. Ah mais j'aurais pu les trans... Oh là là là. Oh c'est ouf. Attends, je vais y aller, je te l'ai dit. Ah mais franchement, on y va ensemble, là, si tu veux. Y'a pas de soucis, hein. Ouais. Je confirme. Orville, ah, jamais vu. Ah, bah chef, c'est trop cool de vous revoir, super surprise, on vous a rappelé. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais tout petit. Et vous étiez, bah... Bref, le taf. Vous avez pris la confiance, mais j'ai développé des trucs stylés rien que pour vous. Ah ouais, mais... Solari, enfin, du Prismium, j'en ai pas. T'abuses. Il y aura sûrement mon frère. Par contre, je pourrais venir que le dimanche parce que je travaille. Bah ouais, ça, mais moi, ce sera pareil. Hein. Je vais être un peu vert, mais oui, je pourrais être là que le dimanche. On est dans le même cas, je te rappelle, Benji. Hein. Franchement. Ah, ou alors, je pense que... Je vais voir s'il n'y a pas moyen. Ah bah si. En fait, ouais, je vais voir si y a pas moyen que je récupère la journée. Ah, ça serait tendu, mais je vais voir. Bon, concrètement, on va voir le boss. J'espère que ça va passer. Waldo, allez! Je sais pas ce que ça peut donner. Est-ce que j'ai mon énergie à bloc 2 généré ou pas? Oui. Ah, je l'attendais pas celle-là. Ah, vas-y. Oh, dur. Dur. Ou tu tombes malencontreusement malade. C'est pas faux. Parle pas de malheur, toi. Bon, bah, voilà. On a récupéré encore pas mal... Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je n'arrive pas à le tomber. Ouais, c'est exactement ce qu'il me fait. Je suis d'accord.
Ça blase un petit peu, mais c'est exactement ce qu'il me fait. Est-ce qu'il va me... Ah, sérénité. Commencer un run avec épanouissement personnel. Bah écoute, je vais l'acheter. Voilà, je pense pas que je puisse acheter autre chose. Ah, un petit 50% sur les ombres griffes, ça peut être pas mal. Frappe mitaine aussi. Frappe mitaine, faut que je tire encore 3 teenagers. Je reviens, je vais chercher ma pizza ananas, t'es pas sérieux? C'est un scandale. Une pizza ananas. Sale, c'est fric. Sacrifice. Sacrifice, excellent, excellent. Non, c'est au poulet la mienne. Ok, ça va, ça, tu me rassures. Focalisation, ça coûte 25. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre. Tac, 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 tac. Snack, c'est quoi ça? Oh putain. Fin, je joue deux fois, fin. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Du carburant. Carburant du mort-vivant. Attends, j'ai 920, je peux pas acheter un truc de folie. Je l'ai arti-framboise. Qu'est-ce que c'est? La préférée de Patrice. Chaque soularie collectée peut potentiellement vous soigner pendant 5 minutes. Mais c'est ouf! Le Death Burger, obtenez 50 PV et 5 de défense jusqu'à ce que vous éliminez un Tanager. Ah ouais. Ah ouais, mais en fait, ouais, c'est ça. C'est plus t'avances et plus en fait tu peux avoir des trucs de ouf. Lunchbox de Pumps. Préparez avec amour avec le plus adorable des stagiaires. Pendant 5 minutes, vous obtenez 5% de chance de récupérer un Précinium en tuant un ennemi. Ouais, 5% c'est peu quand même. Mais il y a moyen de faire des folies là. La cape inflige 50% de dégâts et vous obtenez 150% de régénération du mana jusqu'à ce que vous éliminez un ennemi avec la faux. Ah ouais. Chaque soularie collectée peut potentiellement vous soigner. Ça, c'est de la folie aussi. Hein. Putain, il y a des trucs que j'avais pas vu et. Ouais. Contrat exécutable. Augmente la sélection de faux parmi lesquels choisir. Au début, désolé, c'est que je suis en train de découvrir un truc tout nouveau, là. J'avais pas vu qu'on pouvait classifier, et là, c'est dingue. C'est dingue. Là, j'aurais bien envie de claquer un petit 50 vieilles croûtes de pizza, qui n'aime pas les croûtes. Obtenez plus 25 PV max seulement, si vous tuez un fléau ou un teenager en moins de 10 minutes. Ah, c'est largement jouable, ça. Hein. Vitamine DC. Le carburant du mort-vivant, plus 10 dégâts pendant 10 minutes. Le vin des damnés, censé soigner les maux de tête, 999 de mana max jusqu'à ce que vous encaissiez un coup. Ah ouais. Main décharnée. Ce n'est pas un bout de Marcel, ça? Moins 75% sur les objets de soins pendant 10 minutes. Un peu gluant, mais appétissant. Pendant 10 minutes, 10% de chance de créer une autre anima à l'utilisation. Poulet aux hormones. Ce qu'on a mis dans la graisse ne peut vous faire que du bien. Soigne périodiquement pendant 5 minutes. Mais c'est ouf! J'achète. Voilà. J'achète et j'ai bien envie de... d'acheter autre chose. Ouais, je peux pas, clairement. Abat juteux. On s'est fait plaisir. On a cramé du pognon. Voilà. On a cramé du pognon. Article disponible. Alors maintenant, la question, c'est de savoir où est-ce que je peux les avoir, en fait, tous ces articles. Parce que c'est bien gentil, ça, mais... Hop. En bleu, j'ai pas eu grand chose. Toxicité sociale, ouais, c'est ça. Obtenez 10 PV max. Hop. Ah oui, j'en ai pris quelques-unes quand même. Imprégnation. Illumination déclenche une vague de flammes. Par contre, là, les sorts, ouf, quoi.
Ok. Du nouveau chez Régis. Ah, et c'est là que ça me l'est fait. Intéressant. Allez, là, on signe celui-ci. On se fait encore une petite run, tranquille ou bilon. Hop là. On continue avec un petit peu de Holly, histoire de se mettre le dernier peps. Pour l'aventura. On va aller choisir sa faux. J'ai jamais essayé. Quelque chose là. On n'avait plus qu'à pas sortir. Merci à vous, Navides. Allez, bah écoute, on va essayer ça. On va aller voir Brad direct parce qu'on a vu que ça marchait pas mal. Voilà, par contre, j'ai pas de sort comme tout à l'heure. Croise fluve. Oh, excellent. Carte de rayon dévastateur entrecroisé. Droit devant vous. Les sorts infligent plus 5 dégâts de bonus. Ah, c'est super bien fait en plus. Et on peut en lâcher deux d'un coup. C'est hyper stylé. Comment ça? Ouah, ouah, c'est quoi ce bras de là-haut? Wouah! Wouah! Mais c'est qui celui-là? Ok. Ah, ça s'appelle un run rapide, hein. J'ai rien compris à ce qu'il m'a fait. Il m'a tiré deux fois des lasers par son... Et il m'a arraché la tête. Donc on va refaire une run, comme je disais. De toute façon, j'ai plus de thunes, j'ai plus rien là, donc... Là, le but, c'est... Hop. Ouais, c'est bon, mais... ouais. Ouais, tu veux me proposer quoi, là? Tu m'as déjà roulé dessus. 50? Allez, c'est bon. On a acheté encore un petit truc, ça c'est les machins qui vont revenir à tirer l'arigot. Hop, bonne affaire, tac 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 tac, c'est parti, on signe l'accord. Hop là, vous connaissez le chemin? Ben oui, je connais le chemin.
Bon, on va essayer de... Ah, ouais. Délaisser l'habitant sur la puissance. Ouais, voilà. Avec une arme classique. J'ai mangé ma belle agrafeuse toute neuve dans la gelée. Coupable, laisser un post-it pour signer son contrefait. Poisson d'avril. Mais voyons ce qu'il est propre là. Ah ouais. On va se le faire la version normale, histoire de voir si on peut accrocher quelques... Oh merde, je croyais que je l'avais tué. Vas-y, je me suis fait toucher. Monsieur Dumoulard, ouais, vas-y, fais péter. Lance plusieurs papillons mortels, mais carrément. Ah, les deux, là, sont... Bon, ça, ça peut être hyper stylé. Alors, c'est des petits papillons mortels. Mouah. Solari Prismium, oui, bah oui, oui, clairement, clairement, on va essayer d'aller voir du Prismium supplémentaire, histoire de pouvoir le dépenser comme il faut cette fois, parce que j'ai pas vu que si j'accède à la boutique, eh bien, intéressant. Je sais pas ce que c'est encore. Non, ça me plaît pas du tout. Voilà, on va aller chercher le petit café. C'était un américain, parfait. Oh, le coup des papillons, c'est quand même méga stylé, hein. I'm back! Eh bien, re-bienvenue. Étage intrigant. Est-ce que pour une fois, est-ce qu'on va réussir à le faire? Ça serait cool. Pour ce soir, je pense que ça sera le dernier... le dernier run, on continuera de toute façon une autre fois. Voilà. Angel, d'ailleurs, si tu veux commencer à nous chercher tranquillement et paisiblement le raid, ça serait magique.
Le marteau Molnir, allez, très bien, on prend. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 relances de malédiction en main, ok. Ça tombe bien, j'avais pas de malédiction. Ok, service vitam. Allez, après, on va aller voir coulant. Angel, es-tu là? Angel, si tu es là, montre-toi. N'aie pas peur. Monsieur Coulant, c'est reparti. Ok. Comme une grosse merde. Yeah. Putain, c'est ouf, hein. Vraiment du mal à avancer, à contre de devenir une arme. De 1%, mon dieu. Et alors? Oh, un petit dernier, putain, mais c'est addictif en fait, c'est hyper addictif. T'as rien à me proposer? Hyper addict, hein. Du nouveau, c'est Régis. Ouais, ouais, bah c'est bon, vas-y. Vas-y, le plaisir est complet. Ça, c'est pour les vieux de la vieille. C'est la défaite qui te donne envie de... Ouais, non, mais ouais, mais c'est ça, en fait. Il coûte combien, ce jeu? Mais je crois qu'il est pas cher, hein. Sur Switch, il est à une trentaine d'euros, je crois.
Et sur la version normale, enfin sur Steam, pardon, pas la version normale, qu'est-ce que je raconte moi. Sur version normale, il est pas très très cher non plus. Hein. Sur, ouais, je crois qu'il doit être à 25€ à peu près sur Steam, un truc comme ça. Ouais, non, mais c'est un petit indé, hein. Ça fait partie de ces petites perles qui sont souvent trop peu connues et qui sont des pures merveilles, quoi. Voilà, ça fait partie de ces petits jeux complètement dingues. Et qui sont vraiment hyper raisonnables, quoi. Là, je suis sur Switch, moi. Voilà, à savoir si jamais... C'est un scandale, Banzi, c'est un scandale. C'est comme ça que vous tuez... que vous tuez le... Obtenant, comment ça ? Inflige des dégâts bonus en changeant d'arme au milieu d'un combo. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. En plus, c'est des petits jeux indés, les gars. Ça se craque pas, ça. Ça se craque pas. Ouais, c'est clairement honteux. Vous annihilez. Après, on se plaint qu'il y a des titres à plus de 80 balles, quoi. 90 euros. C'est... Autant du franc, jamais on aura entendu parler de ça, quoi. Des jeux aussi chers que ça. Des 300 balles max le jeu avant, quoi. C'est pas cher, c'est un indé, quoi. Désolé, le flux temporel environnemental, attendons, on va détecter le... C'est bon, j'ai compris. Quoi ? Ouais, mais là c'est du piratage. Le piratage est interdit et revendiqué par la loi et ça peut chercher très très cher. C'est ça aussi qu'il faut voir, les gars. Ça fait des gens... Vas-y, je viens à peine de sauter. Putain, mais les missiles, ils sont trop rapides. Ils sont trop rapides. Ils sont pas sérieux, là.
C'était sûr. Puis ça rapporte la délation. Mana power temporairement. Ah putain, c'est sérieux juste pour ça. Oh non. Oh, je l'ai jamais eu ça. Pose une bombe arcanique à retardement. Ah ouais, stylé. Par contre, elle met vachement de temps à péter, hein. C'est énormément d'anticipation. Hein. Angel, t'es plus là? T'as disparu? Essayer d'aller se faire le mini boss. Je suis pas sûr que j'y arrive encore une fois. Je suis tellement bidon en fait. Hop là. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Sauf que il va falloir que j'aille préparer à manger. Voilà. voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est blasant de voir qu'on est aussi. Je suis aussi bidon que ça. J'arrive pas à avancer. C'est dingue. C'est dingue. Non, non, c'est pas du rage kit, c'est juste que là, je dois vraiment faire à manger. C'est pas grave, vous avez quelqu'un sur qui faire ouais, un petit raid, ça sera avec plaisir. Sinon, ah là ça tombe, oui, Grand Jafar, oui, c'est moi. Que puis-je pour toi? Dis-moi tout. Que puis-je pour toi? Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que ben, on va s'abandonner là-dessus. Je vous donne rendez-vous dans tous les cas de sûr, hein, de sûr. Je disais tout à l'heure que j'ai le temps de commander, récupérer et manger. Ouais, non, mais c'est ça, je sais. Je sais, t'inquiète. Voilà, donc, dans tous les cas, mercredi, on se retrouve, ça c'est sûr. Pas mal de petites choses à faire. En étude, je suis en train d'étudier, donc pour l'autre site, tu as pas avancé d'un poil. Si, j'ai un petit peu avancé quand même. Pas de beaucoup, mais j'ai un petit peu avancé. J'ai tué le deuxième boss que je n'ai pas encore réussi à tuer. Donc, voilà. Voilà. Donc, dans demi-poil, ouais, c'est ça. Bah, j'ai pris des niveaux, d'ailleurs, Ça permet d'avancer un peu plus de ce côté-là. Donc voilà, rien n'est perdu, parce que c'est un jeu, du coup, qui se fait sur le long terme, et que, bah, plus t'as de niveaux, plus t'as de possibilités de taper fort, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée, c'est l'idée d'un roguelite de toute manière. Je vous tiens au courant dans tous les cas pour ce qu'il en est de l'autre côté. Et
Demain, je peux pas vous assurer à 100%. Je vous tiendrai au courant sur mon Discord dans le début de la soirée. Savoir ce qu'il en est. Rien n'est sûr, je vais être franc. Rien n'est sûr pour demain parce que j'ai un petit peu de travail. Donc voilà. Donc dans tous les cas, on se tient au courant. Je vous fais la baguette et puis je vous dis de sûr à mardi et à mercredi, pardon, et à suivre sur mon Discord pour ce qui concerne demain. Voilà, profite de mon week-end. Ouais, je vais essayer, je vais essayer. Je vais essayer de bosser surtout sur tout ce qu'il y a à faire, vu que le chihuahua, on sait pas trop ce qu'il en est, donc voilà. Bref, tu m'as compris. Voilà, donc je vous fais la baïette et je vous dis de sûr, dans tous les cas, à mercredi. En tout cas, merci à vous d'avoir été là et je vous fais la baïette. À plus, les gars. Et encore merci à tous. je te le rembourse celui-là. Les révoltes et tout ce qui est par point de chaîne ne marche pas sur cet écran-là. Je ne l'ai pas programmé pour.